J'ai une recrue potentielle pour vous. Je vais vous la marquer sur la carte. Le prends pas mal, mais j'ai l'impression que t'es le genre de dingo qui rêve de changer les choses. Sérieux, t'es avec DedSec ? Parce que j'aurais besoin de votre aide. On peut peut-être t'aider. Il se passe quoi ? Une amie à moi a disparu. Et c'est pas une manière de parler, elle s'est juste volatilisée. Zéro news, pas un texto, rien. Putain, c'est... Ah, c'est affreux. Ouais, merci. Elle a toujours eu le chic pour s'attirer des emmerdes. Mais avec tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est devenu nettement plus dangereux. T'en fais pas, on la retrouvera. Il y a plein de trucs qui pourraient expliquer une disparition en ce moment. Par où on commence ? Eh bien, nous pourrions aller frapper à toutes les portes de la ville et demander aux gens s'ils ont des personnes kidnappées chez eux. Mais il serait sans doute plus malin d'enquêter sur sa dernière position connue. Je suis d'accord. Envoie-moi l'adresse. Voilà le hub CityOS. J'ai récupéré les vidéos de surveillance. Bon, elle s'est bel et bien fait enlever. Une altercation avec Albion a dégénéré et elle s'est pris quelques coups de bottine dans le plexus. Quelle merde! Oui, ça c'est la mauvaise nouvelle. La bonne, c'est que j'ai localisé l'endroit où ils l'ont enfermé. Je vous envoie les coordonnées.
La personne disparue que vous cherchez devrait se trouver près d'ici. Ça sert à rien. C'est quoi ça? Je viens de le voir par là. Aidez-moi. C'est elle, faites-la sortir de là. Abandonne maintenant et...
Alors, ça se passe... Merci. Je suppose que cette pauvre victime avait pour but de servir d'exemple. Albion décide si vous avez droit à un procès ou non. Bonté divine. Heureusement que vous passiez par là. C'est pas faux. Faites-la sortir. On a retrouvé ta copine dans une prison d'Albion. Elle est sortie, mais elle reste discrète. Tu devrais bientôt avoir des nouvelles. Sérieusement ? Allez, mec, vous assurez. Je vous en donne une belle. Deadsec cherche des combattants. Et t'as l'air d'avoir la rage. Tu vas peut-être te défouler ? Ok. Y'en a marre, à la fin. Parfait. Notre petit gang s'étoffe. Bienvenue chez Deadsec. Heureux d'être parmi vous. Maintenant, au boulot. Très bien. Des robots maléfiques ? Mais c'est le job de mes rêves !
Bien. Parlons un peu d'Albion, la seule organisation capable d'appliquer autant d'oppression sur le monde en développement que le gouvernement britannique. Donc, dirigée par Nigel Cass, un visionnaire charismatique selon certains médias, mais un criminel de guerre selon Amnesty International, Albion a reçu les clés de la ville pour rétablir l'ordre après les attentats. C'est pas une coïncidence, si vous voulez mon avis. En effet, raison de plus pour trouver un moyen d'attaquer Nigel Cass. Nous en avons trouvé un. Son nom est Amish Bolaji. Né à Londres, Bolaji a reçu à 14 ans une bourse pour un cursus technique à la Fondation Cass, qui incluait un tutorat de Cass en personne. À 16 ans, Bolaji lui a conçu sa première flotte de drones. Anecdote amusante, Cass a repoussé le lancement d'une semaine pour qu'il tombe le jour de l'anniversaire de Bolaji. Cass est donc comme un père pour Bolaji. Pourquoi est-ce qu'il nous aiderait? Ils se sont disputés après un incident dans le delta du Niger il y a 3 ans. Une enquête des droits de l'homme accusait Cass d'avoir envoyé des drones pour éradiquer un village s'opposant à la construction d'un pipeline. Mais les drones sont tombés en panne avant d'y arriver. Bolaji les aurait sabotés. Il est en cavale depuis, mais les données de traçage indiquent qu'il est de retour à Londres. Putain, il veut se racheter comme avec les manifestants. C'est lui qui a conçu les drones de Cass. Je crois qu'il cherche à désarmer Albion. Il couvre bien ses traces, en tout cas, mais cela semble plausible. Malheureusement, selon ce rapport de renseignement d'Albion intercepté par notre amie Caitlin Lowe, Cass sait que Bolaji est à Londres. C'est là que vous entrez en jeu. Contactez Bolaji avant qu'Albion le trouve et convainquez-le que Cass est notre ennemi commun. Donc ce mec est notre meilleure chance d'arrêter Albion et de sauver notre image. Et la plus grande milice privée du monde veut le tuer. Pas mal comme pression. Ça n'a pas été simple, mais j'ai réduit la zone où l'on a le plus de chances de tomber sur Amish Bolaji. Je vous ai mis les coordonnées sur votre optique. Non, Trésor, ce ne sont pas les manifestants, mais celui qu'ils suivent que vous devez chercher. Hier soir, je...
Bellagie a mis son nez dans les affaires d'Albion, discrètement bien sûr, mais j'ai pu déterminer que la majorité de ses activités émanait de cette zone. Essayons de pas lui faire peur, on va lui faire un petit coup. Pas si vite. Amish n'est pas chez lui d'après son système de sécurité. Et avant que vous ne fassiez n'importe quoi, sa porte d'entrée est reliée à un ensemble de pièges conçus pour liquider toutes ses données ainsi que vous-même. Pas forcément dans cet ordre. Carrément parano le mec. En même temps, vous êtes une tête brûlée qui cherche à s'introduire chez lui avec des armes. Bref, vous devriez pouvoir vous connecter au réseau local pour utiliser les caméras de sécurité et désarmer ses pièges. Ok, c'est bon. Je pense que l'interface principale se trouve sur le toit. Hé, regarde ça, des fenêtres. Tu crois que je passe? Bien sûr, si vous pouvez les atteindre. Il y a trois options. 1. Vous servir de l'échafaudage. 2. Trouver un drone de construction. 3. Abandonner, rentrer chez vous et faire des mots croisés. Facile, je m'en occupe. C'est quoi cet endroit? On dirait un vieux temple de jeux vidéo. Il y a tellement de pièges. Vous pourriez rétablir le courant afin de désamorcer les pièges. Facile, je m'en occupe. Bienvenue dans Claire et sans basure. Mon nom est Claire et bienvenue à Londres en mode pacifique. Ne faites pas attention à la bonne fée qui vous écrase le visage. Au bout d'un moment, on ne la sent presque plus. Bon, les amis, il faut se réveiller. Il existait un mode d'emploi pour créer une police totalitaire, un peu comme un meuble suédois. Albion aurait utilisé toutes les vies. Ils ont bien profité des attentats et des craintes de la municipalité aussi. Parlons-en de la municipalité, trop heureuse de laisser les clés de la ville à Nigel Cass. Les amis, si on ne fait rien, ils vont resserrer la bride, comme on dit. On ne peut pas attendre que quelqu'un d'autre se batte pour nous. C'est à nous de changer les choses.
piège désarmé. Maintenant, si vous passez par la porte d'entrée, vous risquerez moins de vous faire trucider. Bouge d'un centimètre et je fais sauter tout le bâtiment et toi avec. Attends, Zen, du calme mon gars. Dis-moi qui t'es et ce que tu fais chez moi. T'es d'Albion? Ça va pas bien, non. Imagine un truc plus résistant. Quoi, Detsec? C'est ça, oui, et moi je suis Che Guevara. T'es foutu. Écoute-moi. Albion sait que t'es à Londres. Alors bute-moi s'il faut, mais vite. Oh bordel. T'es pas en train de m'y... C'est pas vrai, qu'est-ce que j'ai été con, bordel! Bon, écoute, cas c'est pire que tu l'imagines. Ça, on le sait. Crois-moi. Pourquoi tu crois que j'ai pris le risque de me pointer ici? Peut-être parce que Nigel Cass te paye. C'est bien la méthode des mercenaires. Écoute, on a besoin que tu nous aides. Cass, c'est pas notre pote non plus. Il a essayé de nous éliminer et il a planifié les attentats. Je peux même pas imaginer! T'as pas idée de qui il est, Cass, et de ce que... Allez, allez, oh, allez! Merde! Une unité d'Albion fonce vers toi. On dirait que tu montais pas là-dessus. Merde. Putain, bon. Allez, va-t'en. On verra ça plus tard, je vais les retarder. C'est bon, là. Vite. En avant. Merde. Ne restez pas planté là. Albion va vous transformer en passoire sans poser de questions. Ah bah, mince. Que toutes ces péripéties ont convaincu notre nouveau copain Hamish que la collaboration est de mise pour se débarrasser de Cass. Il accepte de faire équipe avec nous. Alors bon, j'ai réussi à m'enfuir, mais c'est... T'es chaud, je vous crois maintenant. Alors écoutez-moi bien. Nigel prépare quelque chose, et je pense pas pouvoir l'arrêter tout seul. Si Detsec est fidèle à sa réputation, va falloir m'aider. On peut collaborer, surtout. Nigel Cass a sûrement été mêlé aux attentats. Qu'est-ce qu'il pourrait bien prévoir de pire, maintenant? Non. Il est pas comme ça. Enfin, pas vraiment. Nigel, son truc, c'est de jouer les héros. C'est un arrogant, mais pas un cynique. Chaque fois qu'on allait quelque part, il voulait résoudre les problèmes avec une police robotisée, ou une moissonneuse automatique, un machin du genre, ou je sais pas quoi. Pour lui, la société est un problème technique. Et les gens sont des bugs dans le programme. On doit les contourner ou les éliminer. Désolé, mais je dois changer de proxy pour pas me faire repérer.
Je vous recontacte en vocal. Écoutez, j'ai une taupe, d'accord? Un gars qui bosse chez Albion. Et d'après lui, Nigel a un gros rendez-vous prévu à la White Tower pour parler d'un immense projet pour la ville de Londres. Ce qu'il nous faut, c'est un agent infiltré. Une mission d'infiltration? Chouette alors, j'en rêvais. Procédons dans l'ordre. Nous devons épier une cible surprotégée, alors je vais dresser une liste des talents requis pour nous constituer une petite bande de rebelles. Ah merde! La cybersécurité d'Albion vient de renifler mon IP. Ils ont dû suivre le signal du détonateur. Faut que je m'en occupe. La tour de Londres? Elle rigole pas avec la sécurité là-bas. Moi, franchement, je veux bien aider, mais Nigel est sur ses gardes là. Avec toutes les caméras CityOS, il m'identifierait en moins de deux. Je veux pas risquer ma belle gueule pour toi. Il nous faut quelqu'un de chez Albion que l'on puisse retourner. J'ai contacté quelqu'un qui bosse dans un pub, pas très loin de là. Quoi de tel qu'un pub pour trouver un anti-héros amer et déçu, anesthésiant sa conscience par la boisson et caressant secrètement l'espoir d'une sainte rédemption? J'ai expliqué la situation à notre contact et elle est près d'ici. La forme, toi? C'est clair que vous savez bien choisir vos cibles, vous. Vous savez que c'est le quartier général d'Albion, ça, rassurez-moi. C'est pas mon idée, figure-toi. Mais Nigel Cass organise une grosse réunion là-bas. On pense qu'il est sur le point de dévoiler un bon gros projet bien tordu, et j'ai pas prévu de le laisser faire. Enfoiré de Nigel Cass. T'as raison, ça sent mauvais. Dans un pub, t'entends plein de trucs. Et dans le coin, je peux te dire que certains membres d'Albion sont excédés par le statu quo. Je suis sûr qu'on pourra en convaincre un de changer de camp. J'ai même déjà quelqu'un en tête. Intéressant. Envoie-moi ces infos. Je te ferai passer les infos par Bagley. Bonne chance à toi. Nous avons repéré quelqu'un au sein d'Albion qui pourrait être recrutable. On est vraiment obligé de recruter quelqu'un de chez Albion? Ils en tiennent tous une couche là-dedans. Ce sont des bandits en uniforme qui abattent régulièrement des civils. Si vous ne trouvez pas un employé désenchanté, l'humanité se porte définitivement plus mal que ce que je pensais. Il nous serait également assez utile d'avoir quelqu'un de l'intérieur. Tant que ça fera illusion. Nigel a un don pour flairer les espions. C'est votre expérience personnelle? Ouais, j'ai pas vraiment envie d'en parler à vrai dire. Mais pourquoi ils viennent jusque-là? T'as envie de te réveiller de ce cauchemar ou tu préfères continuer à te faire endormir? Vous faites partie de DedSec? Si oui, j'aurais besoin de votre aide. Ouais, peut-être. Il s'agit de quoi? Un ami souffre d'une affection rare. Malheureusement, étant donné l'état déplorable du NHS, il n'a pas eu de traitement depuis des mois. Nous ne savions plus quoi faire, mais un médecin du clan Kelly a proposé de l'aider, moyennant finance, bien sûr. J'ai donc accepté de payer. Continue. Ce charlatan. Les médicaments étaient efficaces, mais aussi très addictifs. Une fois mon ami dépendant, le médecin a augmenté ses prix. C'est à gerber. T'inquiète, on va lui trouver ses médocs. Dites donc, ce médecin, avec de gros guillemets, est un vrai winner. Il a perdu le droit d'exercer pour faute professionnelle l'année dernière et opère à présent pour la mafia. Très demandé comme bonhomme. Tu crois que tu peux tracer sa position? Je trace la position de tout le monde en permanence, figurez-vous. Je vous transmets ses coordonnées. Thank you.
médecin qui transporte un PC portable ultra sécurisé. Il devrait contenir toutes les infos sur la cargaison de produits. Mon araignée va pas te faire. Va savoir où il est passé. Voilà l'ordinateur. Ordinateur dépouillé. Mettez-vous en lieu sûr le temps que j'analyse les données. J'ai trouvé l'entrepôt où les gangsters gardent leurs drogues expérimentales. Je suis sûr que Mary Kelly ne vous en voudra pas trop si vous lui piquez quelques boîtes.
Je détecte un véhicule à proximité avec au moins 2 ans de traitement à l'intérieur. C'est plus qu'assez pour sevrer convenablement l'ami de notre message contact. Message reçu. Voilà le véhicule avec les produits. Tâchez de ne pas le détruire. Bon, on a le véhicule. Et maintenant ? J'ai trouvé un endroit sûr où notre contact pourra venir le chercher. Je vous envoie les coordonnées. À toutes les unités, un ou plusieurs individus suspects potentiels ont été signalés près de votre position. Une approche de la cible. Où est passée la cible ? Merde ! Centrale, mettez la cible sur la liste des criminels recherchés. Mission accomplie. Notre IA va te faire parvenir les coordonnées de l'endroit où sont stockés les médicaments. Ton ami va aller mieux. Une chose est sûre, je vous dois une belle faveur. Ok. Tu veux te battre ? Pas contre moi, hein. En général, pour d'être sec. D'accord. Comptez sur moi. Nous avons quelqu'un de chez Albion dans nos recrues. Allons lui dire que ses services sont requis.
Plus on a de nanas qui envoient du pâté dans l'équipe, mieux on se porte, non? Bien, très bien. Quoi que je puisse faire, ce sera avec plaisir. Trop bien. La réunion de Nigel Cass ne va pas tarder à commencer. Rapprochez-vous de la tour de Londres dès que possible.